Salut YouTube, on joue mon perso préféré, en Greedier mode. Regardez, regardez comme elle est belle. Donc elle peut extraire son fœtus, lancer son fœtus avec son cordon et tirer des larmes. Mais c'est surtout ça, c'est ce punch là qui fait mal. La speed pas si mal vu qu'elle se traîne le yonf. Et donc on ira chercher les 5 balles et le coffre évidemment vu que c'est worse. Lui aussi il peut être worse. Je crois en lui. Regardez. C'est parti. C'est satisfaisant. C'est vrai qu'on aurait pu jouer Tainted Samson aussi, mon perso préféré du jeu derrière Jacob et Iso. Jacob et Iso. Ah quoi qu'il doit être fort Samson dans ce mode là. Tu reset pendant 55 minutes pour trouver un bon starter de dégâts. Et ensuite, son berserk, il carry. Peut-être le seul mode de jeu où c'est pas un connard. Meilleur perso du jeu, hein. Ça bouge pas. Ah oui. On pourrait tirer, hein. Mais pourquoi? À quoi bon? Moi, j'hésite pas. Oh, le tarot de cloth. Pour pré-shot un... Faut que je résiste, faut que je résiste. Il va m'arnaquer pendant 1000 ans, faut que je résiste. Ouais, Tarot Cloth c'est un sacré pari. Hein. On va trouver une carte. Non. Non, c'est interdit de se faire toucher par contre avec Lilith. Interdit. Ensuite j'ai pas eu de starter de dégâts donc... Même si le starter speed fait plaisir. Ah, ça aussi ça fait plaisir. Je suis une merde. Ah ouais, je suis pas qu'un peu une merde, une grosse merde. Un bon gros poop quoi. Mais c'est même pas... C'est même pas... Moi j'ai aucune solution. C'est le carry. Hein. Bel objet, bel objet. Mais du coup j'ai pas de cœur bleu. Oh mais vas-y je vais reset, je fais que de la merde. C'est pas grave. Ok. Dididi. Ah cool. Enfin non c'est de la merde mais... Ah quoi que 3 bombes quand même. Sachant qu'il y a Magic Mushroom dans ce champi là. Trop cher ça. Oh. Oh. Ah mais ça donne envie de jouer tir. Mais je crois que même en mettant des patates, j'ai mes araignées. Hein. Ah pas sûr. Ah si. Oh non, je les déteste. En mouvement, en mouvement. I got the moves, je suis une merde.
Ah, c'est trop chiant ça. Je déteste hein. Vous avez trop de vie là, vous faites chier là. Voilà. Qu'est-ce qui m'a touché? Genre, il y avait une araignée encore? Oh là là, mais. Elle est trop forte en normal game, mais en green mode, c'est pas évident. Hein. Quoi? Moi, c'est qu'il était mort. My bad. Ça c'est trop fort si j'ai des dégâts les araignées. Chose que je n'ai pas. Merci Drus Légende pour le sub. Merci pour les subs Pikachu, Joe Stark, Bromit, Stix TV. J'ai vu un truc sympa avant de me faire arnaquer. Ouais, alors. Et putain, ils l'ont pas touché. Oh là là, alors que c'était trop fort ça. Ce boss là va être chiant. Putain mais c'est juste ce qui est chiant c'est que j'ai pas eu de dégâts surtout. Oh oui magnifique ça par contre. Vas-y encore. Il procrastine souvent poteau. Tiens. Ouais du boudin. Mais lui les patates que je te demande de lui mettre. Oh. Quel prank là. Ah ouais. Ah ouais. Ah je joue comme une merde hein. Attendez que j'ai des dégâts. Quoi? Ah cool. Parce que j'ai pas de dégâts, sinon ce serait monstrueux. Ça me bute. Elle m'a pas suivi, la lumière de Bethlehem, pas encore. Trop fort ça. Ça sera trop fort, c'est ça que j'essaie de dire. C'est à les clés des anges en green mode, d'avoir plus de chances d'avoir des angel rooms, il me semble. Ouais c'est ça, on a, là on est deux tiers de chance d'avoir... Oh non. Deuxième piqûre.
Oh non. Oh ouais, super. En plus, c'est un ennemi d'élite. J'ai pris la max dans le fion, là, on est d'accord, hein. C'est à tous. Oh, je suis une merde, hein. C'est grave ce qui se passe, là. Là, y'a plus les cœurs en sol, hein. Non, mais j'ai jamais eu de dégâts, c'est ça mon problème. Et voilà le problème. En fait, ça me donne pas de dégâts, c'est un modificateur de l'âme, mais qui me donne pas de dégâts. On m'a dit plus sexe ? Oui. Mais j'avais pas vu qu'il avait croisé les bras, je suis nul, je mérite tout ce qui m'arrive. Quoi ? Mais je croyais qu'il était... Je sais pas pourquoi, je croyais que c'était un pote, un petit pote. Ok, tout se passe mal, c'est parfait. Ok. Ah. Mais non, mais ça c'est les familles de mes couilles. Thunder Thighs, you feel stompy mes couilles. Ensuite j'ai un 45 de dégâts, ça m'enlève. Ah, ça m'enlève autant que ça. Ah, c'est juste un HP up en plus. My life sucks. Au moins que. Oh, c'était pas rentable ça. En fait, ça me donne Sacred Heart de l'harmonie, c'est pour ça que je me fais chier. Ah oui, j'ai les Dark copains. Je me disais, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ah oui, non, c'est sur des kills, c'est pas sur de la touche. C'est pas mal, ça. Non, ma vie, elle est pas dégueulasse. Ma vie, elle est pas dégueulasse, c'est faux. Oui, par contre, aujourd'hui, laissez mes petits potes, mais on se tient au jus, quoi. Abonnez-vous. Privilégiez abonnement, quoi. Okay. Évidemment.
Vous êtes combien là exactement? Là, j'ai voulu tenter le fast kill. Ça a failli être fast. Ok. Est-ce que je pourrais avoir un objet de dégâts? Quoique la vitesse c'était primordial. Hein. Ouais, dans la radio homing, le brimstone est fou. Ah, mais c'est bien ça. Ok. C'est un peu parfait. Attends, ça c'est... Store credit, hein. Le premier objet est gratuit. Hein. C'est bien ça. Je pourrais prendre la piqûre en vrai. À 5, c'est ok. Paf, les bonnes baffes. Beaucoup de poésie. Premier étage de vie est sympa. La poésie avant tout. Tout ce que j'aime. Ok. Nanan. Le délire du coup de bot en majuscule. File donc, salut. Non, c'est Robo Chiotte, il est taquin. C'est un bot extrêmement taquin. On pourrait ensuite. Est-ce qu'on. Oh, c'est nul ça. Oh, c'est vraiment le pire objet qu'on pouvait avoir probablement. C'est utiliser 5 pièces pour être plus fort. On peut l'utiliser en boucle, mais Green Mode, on est censé gagner de l'argent. Je pourrais prendre Mom's Trinket en essayant de trouver un trinket incroyable. Genre pas ça, quoi. Et le Green Mode, c'est fait pour spammer, hein, donc pourquoi pas après tout. Mais lui il vomit pas non, il balance que de l'araignée, ouais. C'est vraiment la version la plus naze. Je vois pas. Ouais. C'est extraordinaire. Est-ce que je joue Godroom du coup? J'ai un cœur. Hein. Petite Godroom, c'est cool. Hein. Pourquoi c'est là ça? C'est bien normal, on n'a pas KO. Ça c'est acheté au lieu que ça coûte de l'argent. Mais c'est fort non? Genre, au lieu que ça coûte de l'argent, ça coûte de la vie. Mais de la vie juste aïe! Pas en mode Devil Deal, quoi. Un dégât, non? Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est le truc où sacrifie-toi, connard. Tu te sacrifies ton dernier cœur, tu gagnes de l'argent. Ah, mais il y a de l'opti à mort! Mais c'est de l'opti ça. Faut jouer full cœur rouge. Ouais mais les cœurs rouges à part s'ils sont en solde. C'est les piques en Devil Deal. Oh putain c'est nul. Nul à chier. Ok.
Je sais plus. J'en ai plein le huc. Prends piqûre. Ah, j'ai mon mom trinket. Est-ce qu'on pourrait... Au secours. Laissez-moi définir si je veux jouer Godroom ou pas. Mais ouais. Quoique... Quoi les vrais objets de dégâts de Godroom? Sacred Heart et voilà quoi. Non, il y en a d'autres mais... Je sais pas pourquoi j'ai envie de jouer Godroom. Moi j'y crois. Mais ça c'est les objets... Ah bah j'ai ramené mon trinket. Mais est-ce que j'ai ramené autre chose? Non, ce que... la super secrète que j'ai pas visitée. Etc. J'ai pas ramené les objets. Ah donc je ramène le cœur du shop et le flatworm. Mais du coup je vais pouvoir ramener en boucle grâce à... au myosotis. Oh! Oh ça c'est carry ça. Ça c'est nul à chier. Ça c'est la super mouche à merde. Elle est super. Elle intercepte les larmes ennemies de manière assez énervée. À un point que j'en ai plus trop de besoin. J'ai plus trop besoin de m'en occuper. Ah mais il est rouge mais on peut pas le toucher. Tape con de toi. Oui je crois que quand elle est en train de faire le show... Ouais. Mom's Pearl, ouais mais Mom's Pearl c'est censé faire proc plus de cœur bleu. Mais ça va jamais marcher non? Parce que eux ils proc mes couilles. Non ce qu'il me faudrait c'est un Blessed Penny, ça serait incroyable. On va l'avoir. On va avoir un Blessed Penny, on peut avoir un Curved Horn. Vous allez voir. Mom's Box là ça va nous carry. Je vous propose un build alternatif. On en s'en fout, j'ai ma mouche à merde. Ça la charge plus vite, non? Le problème c'est que ouais, faut pas que je prenne le Myosotis après parce que sinon ça va me mettre... certes ça va mettre 4 objets max mais ça va me mettre du merdier sur le terrain alors j'en ai déjà bien assez. Mais si je veux jouer Godroom à fond, il faudrait que j'ai des bombes aussi. Ça serait plus opti. Tant pis. Est-ce qu'il faut que je bombe l'ange pour avoir plus de chances d'avoir une Godroom. Bravo. Merci petit poussin. Merde, pourquoi je pète pas le mushroom alors qu'il y a Magic Mushroom? Insane, non? Oh merde, merde putain, je suis en train de tunnel vision l'objet. Je l'ai déjà eu, j'avais compris ce que ça faisait, je crois. Il ne me reste plus qu'à m'en souvenir. Mais connard, c'est trop chiant d'avoir des trucs partout.
Je l'ai su. Je vous le jure. Le rouge, il fait du dégât. Parce que le bleu, le high drop, c'est tears up et machin. Le tome était mieux ou pas? C'était quoi? C'était la Bible, le tome? Avec les piles dans le shop, t'aurais été bien. Ah merde, j'ai oublié les piles. Ah, c'est ça! Oui, voilà. Maintenant, c'est bien. C'est très... Ah, Orbital Tears, on avait pris très drôle. Avec Bethany. Avec Lilith. C'était Book of Revelation? C'était pas la Bible? Je suis une merde. Putain, mais pourquoi je les confonds? Ça fait deux fois que ça m'arrive. Je vois pas le violet je crois que c'est du beige. C'est à cause de la lumière de la pièce. Je suis convaincu que c'était une Bible. Putain. Je me déteste. Gros tears up ici. Ok, gros dégâts. Ah, ça fait chier parce que oui, révélation, excellent objet. J'aurais pu me mettre full life pour la suite, quoi. Bref. Là, le dégât fait plaisir. Ça, c'est de la speed. J'attends le vrai gros trinket. Pour l'instant, il ne vient pas. Et vous me faites chier. Merci Skullscrash pour le sub, Waki, Popopolo, merci. Merci Quev pour les 4 siècles, et bisous. 4 ans et toujours à regarder des BTQ fracasser des démons, c'est vrai. Merci Tibal, quoi là. Ok, un bon premier tirage. Oula. Oh, 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 oh non, oui. Merde, faut que j'achète des bombes, j'en ai rien à foutre. Oh putain, par pitié, on a une Angel Room. Oh là 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 là. J'aurais dû y penser à cette possibilité. Angelic Phaser, ça permet que quand on détruit l'ange, on n'a pas des clés, mais des objets. Ensuite, j'aurai jamais la clé, donc j'aurai moins de chances d'avoir des... Bref. Si on joue, quoi. Ah, mais y'a jamais de bombe à acheter, motherfucker. Des taquineurs de maman. Ça, c'est 5 bombes, mais c'est quand même cher. J'en ai rien à foutre. Mom Spurs pour double trinket. Eh, c'est vrai. Et Mom Spurs pour transformation. Ça, c'est la Bible. Attendez, on est d'accord, c'est la Bible. Attends, le Book of Revelation, il était pas violet avec une croix blanche? Putain, j'ai vraiment cru que c'était la Bible que j'avais vue. Insane. Terrible. Oh là là, oh. Mais non, mais arrête, arrête, tu me casses les couilles. Ok, 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 I stay calm.
Do you like the patate de forain? Deux. Oh, c'est la meilleure attaque, ça. He didn't like the patate de forain. Ma vie pue le sexe, évidemment. Fallait pas entrer, mais je pensais que c'était que la première qui comptait. J'en ai plein le huc. La première, oui. Oh, ce run, il est nul. Ah, mais c'est à cause du rosaire qu'on nous faut pour nous demande cette putain de ligue. Séraphin. Ah, je vois. J'ai des larmes, j'ai un truc en plus. Ah, j'ai des cœurs bleus. Est-ce que je veux chercher des cartes à tout prix? Mais bon, à part Two of Diamonds, enfin si, je peux trouver une carte d'attaque et machin, mais... Ouais, The Sun me donne pas la super secret. Ça reste des objets en promo. Ouais. Oliver, c'est double HP up. Ça, si j'avais su, j'aurais acheté Guppy Spore. Ça y est, on est trop faible. Ça y est, le build est mort. Merci à tous. Et abonnez-vous. Et je vole. Ok, c'est aux FTR. Remember. Oh, magnifique. Au secours. Mais ouais, bah, il fallait tout de suite réagir. Ah oui, je vole. Donc là, ici, c'est le safe spot. Ah, I'm an asshole. C'est parti pour les méga patates de forain. Parce que j'ai ma bombe qui va tout intercepter. Oh chiant. Oh non mais c'est un monstro, idiot. Putain, je l'affrontais comme si c'était un monstro. Hein. Non mais c'est chiant là. Reprends tes trucs et on s'en va, ok? Voilà toi. Mais non mais c'est chiant. Bon vas-y, balance des mouches alors. It is méga chiant. Saute, hein. Vas-y, éclate-toi. Hein.
Quoi? Eh mais il a le droit de faire ça lui. Putain mais il vomisse jamais, on est d'accord. On va vérifier ça tout de suite. Je vois rien, je vois R. Chiant. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de poésie. Tout va changer grâce à cette God Room. J'ai bien dit God Room. On a encore cette bite en bois là. Attends, mais l'épée avec ça, ça va donner quoi? Je dois le savoir. Je l'ai débloqué récemment, ça. The Stairway. The Stairway. Je connais pas, du coup. Donc, dit Trin. C'est bon à savoir, ça. Ouais, ça ouvre... Ça compte pas comme une explosion. Hein. Et je les tabasse ou pas? Non, dommage. Mais si je fais ça et ça, c'est mieux en termes de DPS? Non, je crois pas. Plus de larmes là en fait là. Non, c'est pas grave. Oh non, sad. Ah, je viens de défoncer ma... Ah, le stairway to my beat. J'ai loupé un truc. Et j'ai pris technologie 2 qui a tout niqué. Ok. Bah super. Je le saurais en tout cas. Ah, il prend les objets en tout cas, c'est un bro. Ah oui, c'est l'épée qui prend les objets. Avec l'épée j'ai le droit. L'échelle avait spawn dans la grande salle devant mes yeux. L'aveugle. Oh non, en plus, ça se trouve j'aurais vu un truc que j'ai jamais vu, ouais, du coup. Oh là là. Bravo l'aveugle. C'est ça de jouer à 2h45 du matin alors qu'on voulait arrêter le stream avant. Feels bad, man. Tant pis. Deg. Ouais, parce que non seulement je spam ma baffe, mais si je spam bien, donc je vais jouer avec les boutons du coup. Je spam aussi les coups d'épée. Donc c'est vraiment ce spectacle son et lumière quoi. C'est marrant le hookworm avec tech 2. Je le saurais, tiens ça.
Qu'est-ce qui me bourre à l'infini? Ah mais oui, il y a les Zidane. Oh, mais c'est quoi ce gros Zidane? Ah. Oh. Oh, l'adversaire. Mais arrête! Mais c'est chiant! Oh ouais, vivement que j'ai un bon spacebar item là, parce que j'en ai plein le huc. Surtout avec l'épée, il récupère tout là. Pas chiant. J'ai loupé l'échelle de mes couilles. Et c'est un devil deal, ma vie pue le sexe. Pardon, excusez-moi. Oh, la rage de Samson. La rage de Samson, c'est un superbe objet. J'ai plus de vie. C'est la queue avec le evil up. Oh, la baiserie. Trop cher, il y a une limite. Ma vie pue. Pourquoi je prends ça alors que j'ai besoin de dégâts? Parce que ça me donne 3 cœurs noirs. Ah, j'aurais dû tester la scie. Ah mais attends, mais elle était là tout à l'heure? Je comprends plus rien. Ok. Est-ce que je prends le bouclier ilien pour le RP Zeldo? J'ai déjà la mouche, c'est peut-être too much. Vas-y, je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre. Je garde my monies, my monies. Ah ouais, le dé, ouais, il est sympa ce dé là, ouais. On sait le jouer en plus. Okay. Mais du coup mon tech de LOL. Ouais, j'ai pas plus de dégâts. On rigole, l'important c'est de rire. Ok.
Il a défoncé le cœur. Mais y'en a combien ? Putain. Ouais, bof quoi. C'est plus mon gameplay ça. Of the Void Doming c'est fort, mais est-ce que j'ai envie de perdre tous ces cœurs pour Il les cœurs pour le shield. Ouais, mais le shield c'est tous les X temps. Et je vole déjà. La merde. Mais non, mais je voulais rire. Quoi que j'aurais pu faire un héros pognon, j'ai deux bombes. J'abuse. Je voulais trouver des cœurs bleus. Moi, je suis vraiment un troll. Mais c'est ultra grid en plus. Non, mais j'ai full troll. Je vais me faire défoncer. Ouais, là, s'il y avait eu un rocher marqué, je m'en serais voulu. Hein. Son Picsou dépense de la thune. Mais voilà, j'ai dépensé de la thune. C'est bon, on a le droit de jouer. Ok. Alors. Oh, j'ai pas de bombe. Oh le connard. J'ai utilisé toutes mes bombes, j'avais oublié cette éventualité. Lui, il me donne un objet gratos. C'est pas grave, lui, il va me donner une bombe. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un ami. Non, non. Un ami qui va me donner une bombe. Jamais eu l'amphore pour l'unlock. L'urne des âmes. Tant pis pour l'argent. Oh putain, mais si j'avais une bombe, putain, si j'avais une bombe, merde! Ah quoi, mais j'utilise là? Hein? Ah, je stocke les souls dedans et ensuite je les relâche? C'est pas clair. Ah oui, j'ai oublié qu'il y a du pognon là aussi en défonçant les mendiants. Vas-y, défonce des mendiants, toi. Oh, vous êtes des merdes. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? 4. 4. Elle a absorbé 4. 6 x 6. Mais je l'ouvre, je la ferme. Ok, j'ai compris. Quoi, il y avait des bombes? Ah, bon, ça va. On vous aime, hein, on vous adore, mais... Oui, j'ai l'abonnement. Ok. Pourquoi je tire plus? C'est bien normal? Ah, parce que je suis encore sur l'amphore, tête de con. Avec ta tête de mouton. Non, mais putain, merde. Ah oui, non, mais c'est trop bien de tuer des mobs, en fait. Ok, j'ai 15 âmes que je vais convertir en soulfire là. Ah, c'est 20, c'est le max. Ouais, ça fait vraiment mal ça. Ouais, c'est un peu de la merde.
c'est pas facile à manier surtout. Mais on peut être en boucle là-dessus. Ok, non. Bravo la mouche. Ouais, c'est vrai que j'ai ma mouche. Trop bien. Ah si, ça fait mal quand même. J'ai l'impression. Ah, on a tout ouvert, bravo. C'était pénible. Merci. Merci Bagoul pour le Prime. Merci MC Lambert. Vic pour le siècle. Spice TV. BJ Elga, merci beaucoup. Merci Sal18 pour les 600 bitcoins. Merci à toi. Bravo. 3h du mat. C'est comme le FC Silmi. On s'arrête là. Des bisous YouTube. A vite. Combien de secrets avant de se quitter? 313. Incroyable.